Faites comme moi, abonnez-vous à Aligan, le voilier débutant. On arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il va ? Faites comme moi, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aligan, le voilier débutant. Mais n'oubliez pas, il y a mieux, mais c'est plus cher. Santé ! Bon là, coucher de soleil, on s'équipe, je vais mettre mon pull, je vais mettre ma veste de car, sortir les lampes de poche, les gilets de sauvetage, on va tangonner le Genoa. Donc je m'équipe avant. Pas avoir froid. On vient de se mettre en ciseaux. Je sais pas combien de temps ça va durer. On pique pas assez sur le 4, mais bon, c'est pas grave. On fera un bord à bâbord. Là, on vient de mettre en ciseaux. Je crois que je l'ai déjà dit. Je voulais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Magnifique couleur ce soir. Au large de Barcarès. On va bien arriver de nuit après le 4. On est en ciseaux, bah ça je l'ai fait déjà. Il fait bon, là il fait assez bon dehors. Par terre c'est mouillé, ça commence à faire les traces de froid un peu. On est bien, on peut rien dire d'autre. Je la refais parce qu'en fait, je filmais pas. C'est l'excitation, ça. C'est l'excitation du marin. Je voudrais juste vous faire vivre ce moment de magie. Parce que là, c'est un moment de magie. Hein, Clément ? Ouais. C'est là, Clément, c'est... il peut pas. Il... Là, c'est vraiment beau. Oh, il y a le casier. Oh, il y a un casier là. Oh, là il y a un casier là. Là l'autre il doit être sous la coque. Alors là. Ouais, donc ils laissent les casiers la nuit, ils les éclairent pas. Ça m'énerve. Là c'est vraiment un moment de magie qui est terrible. Je suis obligé de la refaire parce que j'ai parlé pour rien. J'ai parlé pour rien sans enregistrer, ça c'est terrible.
recommence. Donc c'est moins, bien sûr, c'est moins authentique. Qu'est-ce que je filmais? Qu'est-ce que je filmais déjà? Ah oui. Je filmais que là-bas, on voyait le phare. Voilà, vous voyez Cap Le 4. Je crois que c'est le phare de Le 4. C'est le phare de Le 4, c'est même sûr et certain. Ici, c'est Port Le 4. Là-bas, c'est Barcarès, au centre de l'écran, avec son Lydia. Au centre de l'écran, Canet en Roussillon, Saint-Cyprien, Arvelais, c'est la belle colure qu'on a quittée tout à l'heure qui est là-bas, tout au loin, avec le phare du Cap Vert que vous ne pouvez pas voir sur la caméra. Merci. Donc c'est un moment de magie. Clément, t'avais déjà navigué de nuit? Un petit peu. Un petit peu. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Ah bon? Pas une grosse nave comme ça. Bon bah c'est pas une grosse nave. Hein. Non mais aussi au large, autant au large du coup. Hein. Ouais d'accord. Voilà. Bon bah c'est cool. Et puis surtout on n'est pas arrivé, parce qu'on va arriver de vraie nuit. Ouais on va, ouais je pense que. Non, on voit ce qui se passe. C'est vrai. Déjà la caméra il commence déjà plus rien à voir les amis là. Bon, on a évité de justesse un casier. Là dans un quart d'heure on est au port. Ça va être nickel. Quoi, si vous voyez quelque chose, je perds le sol. Je suis avec la lampe à la pointe du bateau parce que. Là il y avait filé, il y avait un drapeau à droite, un drapeau à gauche, ça nous a surpris là. Parce qu'ils sont pas éclairés bien sûr les casiers. Je sais pas si c'est normal ça qu'ils soient pas éclairés mais bon. Enfin voilà. Donc on est bien. On arrive. On est parti. On va aller pour notre peut-être dernière sortie avec Clément. On va essayer de sortir le spi asymétrique cette fois, pas le symétrique. Donc ça c'est le spi asymétrique. Je pensais pas que le symétrique qu'on a mis l'autre jour était rose aussi. Mais là il y a 10 nœuds devant. Pour des débutants, je suis pas sûr qu'on va. On va voir ce qu'on va faire. Parce que l'autre jour sur la vidéo, les autres vidéos là, vous avez vu, on avait sorti le spi, on croyait que c'était un asymétrique. Et Clément s'est rendu compte qu'en fait c'était un symétrique. Et en regardant de plus près, effectivement, il était bien symétrique. Et celui-là, c'est un asymétrique. Je ne savais pas qu'il était rose aussi. Enfin, que l'autre était rose, donc c'est pour ça que je me suis trompé. On va essayer d'hisser celui-là et sans le déchirer. On avait prévu de sortir le spi, mais il y a quand même. Il y a 12 nœuds de vent. Et encore, ça c'est en vent normal parce qu'il y a des rafales. Je pense qu'on va passer le cap là-bas, il va y avoir. Ah non, il vient de là-bas le vent. C'est bizarre qu'il vienne de là-bas. Tiens. Donc à 12 nœuds de vent, on va pas mettre le spi, on est trop, trop débutant pour ça. Ah, on va faire 2-3 images et c'est tout. Bon, là j'ai réglé le pilote sur le vent apparent. C'est-à-dire que. Le bateau va suivre le vent tout seul. Donc on avait cap sur 56 et là on baisse, on est à 29, donc on va remonter au nord tout doucement. J'avais jamais mis le pilote sur ce réglage là et on essaye. Peut-être qu'on va pouvoir revenir au spi. On a 8 nœuds de vent. Donc là on remonte au près, on part au large, et comme ça au retour, 8 nœuds de vent, donc 8 nœuds de vent ça veut dire qu'on avance à, il y a 4 nœuds de vent en gros, 4-5 nœuds de vent, donc ça va être cool. On va au large, et quand on reviendra on aura le vent dans le dos, donc là on pourra faire péter le spi, avec 5-6 nœuds, le spi je pense qu'on va pouvoir le sortir, on va essayer ça. Je vous rassure Clément, on n'a pas pêché de poisson. Il tente une. Il tente quelque chose. Il lâche, il remonte. Il lâche, il remonte. C'est bon. Ouais.
vas-y. Par dessous. Sérieusement, c'est du stress. Mais on l'a mis. Il est là. Il est présent. C'est énorme. Oh purée. On fait un petit trône tranquille. C'est vraiment kiffant. C'est vraiment le pied total. Je voulais remercier Clément d'être venu avec moi pendant ces 4 jours là. Parce que mine de rien, eh ben, j'ai encore appris. J'ai encore appris beaucoup de choses grâce à lui. Donc merci tête de face d'ours. Pour pas être trop vulgaire. Bah non, il faut pas. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis on a passé super moment. On a fait énormément de choses. On a sorti de la symétrique, on a sorti de symétrique. On a fait du près, on a fait du portant, on a fait du travers, on a tout fait. C'est vrai, on a tout fait. Des grosses vagues, il a vomi. Je le rappelle quand même. Je rappelle qu'il a vomi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'était super cool et voilà, merci Clément. Et puis, c'est sûr que tu reviendras pas parce que il m'a bien gonflé quand même. Je reviendrai, mais avec une nouvelle chaussette de pare-batte. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se conclure. Hein. Avec ce beau speed. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, mais aussi d'activer la petite cloche pour être alerté en temps et en heure. Merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Et n'oubliez pas, il y a mieux, mais c'est plus cher.